Wesh la famille, comment allez-vous les petits potes? On espère que vous allez bien. Alors Adem, on se retrouve ici pour quoi mon ref? On se retrouve ici pour atomiser Kayla et pour vous expliquer les règles du prank. Ça va être très simple. On est un jour avant le prank. On n'a pas encore pranké, mais on va vous expliquer les stratagèmes qu'on a mis en place, comment on va faire pour réussir à la prank. En vrai, ça va, c'est pas compliqué. On commence le retour des pranks plutôt tranquille. On démarre fort quand même. Alors ça va être très simple. Oui, j'ai pris des notes, j'ai pas fait les choses à moitié. Oui, c'est vrai. Moi, comme d'hab, je ne fais rien. Bah, comme d'habitude, à quoi sert-il? À rien. Première étape pour réaliser ce prank. On a dû placer les caméras dans la salle de bain, dans sa chambre, dans la cuisine, dans le salon. Ouais, si on dit pas de la merde, c'est ça qui va se passer. En espérant que ça va marcher, rester bien jusqu'à la fin. En espérant qu'elle va rien voir surtout. Une autre étape, réussir à choper son téléphone pour lui changer son réveil. D'habitude, il est réglé à 7h15, mais on va changer l'horloge de son téléphone. Il sera donc environ 3h du matin en réalité, tu vois. On va la réveiller vraiment à 3h. Vous allez capter quand on sera vraiment dans le truc. C'est pour ça, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est important. Je vous cache pas que ça me fait kiffer de faire ça là, pas toi. Bah franchement, ça me donne envie de pisser. Parce que c'est plein de d'adrénaline. À vous. Ouais, mais ça me donne envie que tu me pisses dessus. Non, ça, tu vois, non. Vas-y, on arrête. Bon, les refs. C'est tout, il y a que ça comme règle. Bah, frère, ça a nous joué maintenant. On a expliqué un petit peu le concept. On va essayer de se démerder avec ce qu'on a. On a placé les caméras, c'était le plus important en vrai. Ouais. Après, c'est nous, c'est comment le feeling, comment on le ressent, comment faire la faire, je sais pas moi, la rendre folle. Genre faire les grands frères Zama. Ouais, tu te réveilles. Première fois de notre vie, on va la réveiller le matin. J'ai peur de me faire cramer sur ça, mais vas-y. Elle va être dans le coltard, elle va être KO, elle va pas capter. Dealer, Adem. Oui. Putain, j'aime bien ta barbe. Ma barbichette. Ouais, franchement, on peut faire de l'ASMR avec. Bref, la famille, on vous laisse à la vidéo. Maximum de pouces bleus, bon visionnage. Et place au prank, let's go. Ouais, c'est parti. Bah, on y va du coup. Ouais. Ah bah non, c'est pas aujourd'hui. Ouais. Bah non, on va attendre. Eux pour eux, c'est tout de suite, pour nous, c'est demain quoi. Ouais. Mais bah, faut se rhabiller pareil du coup. Bah, pourquoi pas. Ça pue là déjà. Pourquoi tu fais le mec Zama, toi tu te changes, ça te dérange pas de porter les mêmes vêtements pendant une semaine? Ouais, c'est vrai. J'ai pas compris. J'avoue. Allez, avance, petite fessée. Ta gueule. Salut tout le monde, merde. Wouah, il commence déjà. Je parlais trop fort, excusez-moi. Arrête, wesh, va se réveiller. Par contre, toi... Ta gueule. T'as la laine du matin. Oh, ça sent... Pattaya. Il est actuellement 3h, je sais pas si vous voyez, 3h11 du matin, on est le mardi 8 novembre. En fait, on va devoir faire croire à Kayla qu'il est 7h du matin et qu'elle doit aller à l'école, mais en fait, il est 3h, 3h30, on verra ce qu'on va mettre. Déjà, on va aller voir si elle dort. Après, on va choper sa tablette et on va changer les horaires et son réveil, parce que je sais qu'elle met plusieurs réveils au cas où pour se réveiller. En fait, faut la mettre en retard. Vous allez voir ce qu'on va faire là tout de suite, mais avant, maximum de pouces bleus. Parce que c'est le retour des pranks, les amis. Ça fait longtemps, et en plus là, on revient avec la qualité quand même. C'est pas tous les jours vous voyez un prank comme ça sur la chaîne Adem et Bilal. Je parle un peu trop fort, ça résonne, on a des voix de Rambo. Juste pour vous prévenir aussi, nos parents sont au courant. Ça fout un petit peu le seum parce qu'il est 3h12. Je leur ai dit demain, on va tourner très très tard. Ils m'ont dit vas-y, c'est drôle, faites-le. Et en vrai, c'est drôle. Vas-y vite, wallah, c'est hyper lourd ça, mais. Pour les refs, direction sa chambre, je vais mettre le flash, Flash McQueen. On va aller voir si elle dort. Let's go. C'est parti. T'es trop moche. Je suis moche? Ouais. Tu m'as brisé le cœur là. Bon bah, les couilles. Ah, c'est bon, je rigole. Non, dans là, t'es un chien. Oh. Pourquoi t'as fait ça? Espèce de cachalot. J'ai trébuché. Oh. Okay, voilà, tu forces. Ça va échouer, les amis. Bien, voilà, tu fais trop de bruit. Ta gueule, faut bien que je marche. Pourquoi tu rates? Ta gueule. Oh. Bon, bah, du coup, elle dort. On se barre. Ça fait longtemps le nounours. Nounours. Bilal, arrête, arrête. Voilà, on va se faire choper, arrête. Vas-y, vas-y, ferme ta mère, descend. Bon, la famille, on est redescendu, mais je suis trop con. On est allé pour un objectif, récupérer sa tablette pour changer l'horaire, pour sa sonnerie. On est con. J'ai oublié de la prendre. Tu t'imagines, nounours? J'ai oublié ça, je suis trop bête. Eh, c'est trop stressant, je fous que la merde. T'es trop con, on va se faire griller. Sans faire exprès, je tape les murs et tout, genre, j'ai trop la poisse, c'est ta faute, ça. Tu l'as fait quoi? T'inquiète. Tête d'âme, touche pas à mon mec. Je suis désolé. Ah, je suis désolé. Touche à mon nounours. Vas-y, Bilal, arrête. Si tu touches à mon nounours. Je suis désolé. Ça va, moi. Respecte-le, mec. Ta gueule, mec. Ne tombe pas cette fois.
tu sais pas lire. Ah merde. Par contre, c'est quoi ce vieux fond d'écran? On se barre. Ça va baiser le pied, frère. Bon, la famille, c'est bon, on a enfin sa tablette. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Regardez ses réveils. Il y a 7h15, 7h20, 7h40, 7h50 et 8h. Je vais tous les enlever et je vais laisser que 8h comme ça, elle est hors table. Attends, là, comment est-ce que ça va sonner? Bah là, tu mets sur 8h et là, il est 3h25 sur la tablette. Tu changes l'heure, tu mets 7h55. Comme ça, on a 5 minutes. Ok. Et elle va vraiment tomber dedans. C'est incroyable. Ouais, fallait y penser, les refs. Hein. Je suis sûr que vous avez pas cette idée de prank. Bon, tout est changé sur la tablette. C'est parti, on a 5 minutes. 4 maintenant, faut faire vite. Il faut faire avec ça. Ouais, pardon. Vas-y. Le réveil sonne dans 3 ou 2 minutes, un truc par là. Vas-y, on se barre de la chambre. On va la laisser se réveiller et on va débarquer en mode oh. Allez, on se barre. Debout. On se réveille, c'est l'heure. T'es en retard, il est quelle heure là? Il est 8h01. Oui, vous inquiétez pas, je mets mon réveil. 8h. Ça sonne à 8h25, j'ai 8h. Ah ouais, 20 minutes à peine pour aller en cours. Dépêche-toi, allez, habille-toi. À chaque fois, on te le répète. Arrête de me regarder, habille-toi là, tu vas être en retard. Je sais, non, je peux pas. Au pire, je vais à 9h, vas-y. Comment tu pues de la gueule? Elle a bouffé un tronc d'arbre. Allez, allez, vas-y, les vêtements. Bah habille-toi là! Il est 8h! J'avoue, t'abuses, wesh, c'est l'heure! Kayla, il est. Oh, oui. Eh, voilà, je vais pas rigoler avec toi, frère, t'es en retard! Dans 15 minutes, ça sonne! Allez, tu vas à la gueule comme ça! T'as fait tes devoirs hier soir? Non. Fous trop la merde, elle, vas-y, vas-y! Allez! Eh oh, on est en retard! Mais c'est bon! T'es en retard, je suis en retard! Mais c'est bon! Mais on a pas le temps de se coiffer! Wesh, elle se coiffe! Ah, elle se coiffe! Non, mais j'hallucine, quoi! Vas-y! De toute façon, faut se réveiller tout le monde. Allez, mets ton jean. Allez, je vais pas t'habiller, wesh. Ça y est, sortez, non, ouais. Je vais m'habiller. Il est 8h. Mais sérieux là? Je te plaît, mais vas-y, je vais à 9h. Au pire. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ok, là, je rigole pas, habille-toi. Je te plaît. S'il te plaît, de quoi? Habille-toi, t'as école, frère. Au nom de Dieu, tu rates la première heure, tu vas voir. J'ai mal, t'en prends pas peur, c'est bon. Y'a pas de c'est bon, tu vas quand même. Vas-y, j'appelle papa. Non, papa. Non, non, non. Habille-toi, habille-toi, sinon le corps de la mec, je l'appelle. C'est bon? Voilà. Non! Allez! Mais tu ranges ton lit! Mais je range vraiment les cherches, mes chaussettes! Ah, pourquoi tu t'habilles comme ça? Regarde! Mais je sais! Ah, la tenue éclatée! La meuf, elle va comme ça à l'école! Mais j'ai pas fini! Kayla, viens, je vais arranger tes cheveux vite! Non! Sors! Il est 8h06 là! Oui. Bah voilà, c'est pas compliqué. Adem, aide-la à la recoiffer. Aide-la à la recoiffer. Voir tes cheveux. Voir tes cheveux. C'est bon, tu y arrives. Allez, je veux pas te lâcher. Adem, faut qu'elle parte à 8h15. Et il est quelle heure? Il est 14. Il est 14. T'as le temps de rien. Te brosse pas les dents. Tu vas t'afficher avec tes potes. Ils vont dire, wesh, Kayla, pull l'oignon, ça bouge. Putain, bientôt 90, genre grossi. La pastèque. Fais vite. Mais c'est bon. Pourquoi tu mets ces conneries sur ta bouche? Gloss. C'est juste bien. Ah, je suis sûr là, dans... quand il y a la cour de récréation, on va avec ses copines, elles sont comme ça devant le miroir. Ah, ça marque. Oui, mais tu parfums que tu... Ah, il y a pas, il y a pas. Il y a pas de miroir. T'es en retard, une minute. Le temps de mettre tes chaussures, tu manges pas. C'est quoi, Kayla? Mon petit déj. Mais je t'ai dit quoi? Il y a pas le temps. J'ai faim. Tu prends juste ça, alors. Vas-y, vite. Tu vois quoi le matin? Dépêche-toi, là. Tu veux quoi boire? Il y a du Oasis. Du Oasis le matin, et toi, qu'est-ce que tu fais, toi? C'est pour moi. Et toi aussi, d'ailleurs, c'est pas bon non plus. Hein. Tu veux quoi, du lait? Mais viens. Pas d'Oasis. Mais ça me donne mal au ventre. Bah, tu bois de l'eau. Vas-y, au calme. Qu'est-ce que tu me fais le. T'es mal corps, frère. Ok. Qu'est-ce que tu me fais le prof de nourriture? T'es mal corps. Pourquoi tu t'assois? T'es censé faire ça vite. Il reste 10 minutes, même pas. 8h19. Faut y aller. Ça y est, allez. Allez, sors, mets tes chaussures, on se casse. Tiens, prends ton gâteau. Non, j'en veux. Prends-le avec toi, c'est mieux. J'en veux pas. Pourquoi tu l'ouvres alors? C'est du gâchis. Attends, mais pourquoi tu l'ouvres si t'en veux pas? Je sais pas. Sors, va dans le salon, casse-toi. Allez, allez, on y va. On y va, je te ramène en voiture. Non, pas en voiture, je vais à pied. Si tu vas à pied, tu cours. Parce que là, il est quelle heure? C'est quoi cette horaire? Elle est à l'heure, celle-là? Y'a rien qui est réglé dans nos horloges. Mais qu'est-ce que tu fais, frère? Tu y vas? Mais dans 5 minutes, tu dois être dans la classe. Peur.
9h. T'as pas 9h, tu vas tout de suite. Pas de 9h, je m'en bats les reins, je vais en études. Et ça où tes chaussures? T'as forcé. Vas-y, mets tes chaussures dehors, tu vas pas les mettre sur le tapis, frère. Oui, c'était bon, on s'en fout, c'est pas grave. Bah dépêche alors. Non, je m'en fous. Tu commences super mal l'année avec tes retards. Non, mais c'est pas grave. T'inquiète pas, là c'est tes frères encore, nous on est gentils. Quand c'est papa, tu vas tomber dessus. S'il te plaît, je ferai tout ce que tu veux. Allez, bouge, ton sac il est où? Sois un peu motivé, voilà que tu sers à rien. Tu vas à l'école juste pour tes potes. Y'a même pas mon sac dedans. Y'a quoi? J'ai pas mes cahiers, j'ai pas les bons cahiers dedans. Pourquoi on fait ça? Tu joues à quoi? Ça va, je vais à 9h. Papa? Non, t'as gueule, t'as gueule. Papa? Mais bon, d'accord. Papa? Alors va! Alors tu m'as saoulé, tu manques de respect là. Va, on est gentil avec toi, on te réveille, tu prends la confiance. Allez, t'y vas. Allez, tu vas à l'école. Allez, à ce soir, à ce midi. Je m'en bats les reins, démerde-toi. T'as forcé. Les refs, elle est partie à l'école. Où je débranche ça où? Adem, viens m'aider. Si t'es con. Tu débranches en dessous. Ok, c'est bon. Vas-y, let's fuck. Allez, on la course. Non, pourquoi j'ai pris une nounours? Pose ça. Elle est où? Je sais pas, elle est où? Mais faut courir là. Vas-y. Hey là. Sérieux? Ouais, tu fais quoi? Tu vas où? Je vais à Paris, bah je vais en cours, tête de fiac. T'es bête. Elle a toujours pas capté. Il est comme là. Va te coucher, il est 3h du mat. T'as ton téléphone? Ah, il est où? Mais montre-lui l'heure. Vas-y, t'inquiète, viens, on rentre, je vais te montrer l'heure. Non. Il est 3h du mat, frérot. Non, t'as réveillé pour rien, va te coucher. Mais, tu me crois? Mais je vais faire dodo comment, moi, après? Non, je vous crois pas. Mais t'es mort comme un lit perché. C'est un gars, il fait nuit. Mais quand tu pars en cours, il fait nuit déjà. Bah oui, enfin c'est le lever du soleil, mais là il fait tout noir quoi. Et t'as rien capté, espèce d'abruti? Bah non, là-bas il y a un petit peu, tout petit peu de lumière. Donc... Ouais, ça commence à arriver. Dernière fois, tu te lèves à 8h. Trop moche, arrête de faire cette tête. Quelque chose à dire à la caméra et aux abonnés et aux collégiens qui te suivent à l'école? On est fort, avant on est fort. Non. Non? Non. Mais t'y as cru ou pas? Mais en fait, elle est tétanisée. Elle est tétanisée, frère. Ouais, on t'a tué, frère, c'est tout. Eh, il faut savoir qu'elle est à 5 minutes à pied de l'école. Elle est juste là-bas. Comment être en retard? À 5 minutes à pied, et je vous jure qu'elle a déjà été en retard, à force. C'est pour ça que je me suis dit, tu sais quoi, elle, faut la pranker. Mais frère, vous avez fait ça? Je sais même pas quoi dire. Normal. Va à l'école, ouais, j'étais en retard. Fais ta gueule. Allez hop, maison, on va te montrer la vraie horaire. Mais vraiment, genre? Parce que tu vois, nous croit toujours pas, tu vas voir. Sans le téléphone, tu vas voir, il est quelle heure? Ah, elle nous croit toujours pas. Non? Bête. Regarde bien. Alors, en direct devant les abonnés, 3h34 du matin. 3h34 les refs. Allez, alors, va te coucher. Va dormir mon pote. Elle est choquée. On a géré ou pas? Allez, on se la tape à vous. Non mais toi, à moi. Je parle aux abonnés. Ah. Bon bah les couilles de toi. Ah, bon. Vas-y, allez, allez. Yes. Ah bah on a pensé à la même chose. Du drôle. En tout cas, c'est un prank réussi, les amis. On t'a fini tôt, frère. En vrai, je suis choqué. Vous avez vu ça, quand même, sa face, elle est méchante. Vous avez vu comme un manque de respect? Elle est mal polie. En quoi? T'as fait la maille? Oh, j'y vais pas. Je suis en retard. Bah, j'y vais pas. Oh, qu'est-ce que tu fais là, Kaïdi? En fait, elle fait la folle avec moi, Yadel. Ah, j'y vais pas. Je suis dégoûté. Ah, elle a fait comme l'autre, là. Non, mais elle dégoûte. Parce que, tu sais, quand c'est mon père qui parle, elle est en mode... Oui, le papa. Oui, papa, pardon, je vais à l'école. Bon, les refs, c'est une fin de vidéo. Attends, mais moi, je veux un petit déjeuner. Petit déjeuner, c'est ça. Tu l'as refusé, t'avais fait du gâchis, frère. Ah là, bizarrement, à la fin, quand on sait qu'il n'y a plus école, il n'y a plus le stress. Allez. Je peux pas y aller. Non, tu y vas. Non, mais... Ah, les Zarma, elle essaye de gratter une amitié, genre on s'est bien entendu durant cette vidéo. Ouais, du coup, je vais pas à l'école, si. Non, tu mens, frère. En espérant que vous avez kiffé, on a vu sa petite réaction et franchement, on l'a tétanisé. En vrai, on a réussi. Tu l'as bien pris ou en fait, j'avoue, on t'a lavé là. Mais en vrai, je m'en fous. Viens, on refilme à 7h, on va voir. Ah, on va voir sa réaction au vrai réveil. Ah, flemme, ça y est, je dors. J'ai envie de dormir, frère, ça y est. Bref, la famille, maximum de pouces bleus. Attends, mais vous savez que je me suis demandé pourquoi est-ce que ED viennent me chercher, enfin, ils viennent me réveiller alors qu'ils viennent jamais me réveiller. Déjà, pourquoi ils viennent me chercher sur un rendez-vous aujourd'hui? Non, ils ont rien. Ah, mais en vrai, pourquoi elle dit ils viennent me chercher? C'est bête, parce qu'en vrai, il était 3h, on dort jamais à cette heure-là. Ah, ouais, c'est vrai. Et c'était quoi ce réveil là? Quel réveil? Le réveil. Le son? Oui. Ah oui, non, mais le son, frère. Oh, non, mais le son, et comment on le réveille? Ah, mais là, le tchamakum. C'était un aéroport, la meuf qui parlait. C'était stylé, mais, en vrai. Laisse tomber, frère. Good night, what is for the funk? Fuck you. Oli, fais des doigts d'honneur, Oli. Bisous tout le monde! Mais attends, mais comment t'as fait le réveil? Je veux savoir! C'est un réveil que tu chopes sur le téléphone! Bisous la famille, maximum de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait! Sur ce, partagez la chaîne! À vos amis! Et à vos ennemis! On va se retrouver très prochainement pour de nouveaux pranks! C'était Adem et Bilal! Salam la famille! Et Kaïla en fait! Oli! Ah, on l'a coupé, t'es mort!